Yo, what's up tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une belle information qui concerne le prochain DLC, la Maison des Loups. Donc c'est toujours une information à prendre avec des pincettes, il n'y a rien qui a été certifié, il n'y a rien de sûr. C'est une information que moi-même j'ai découvert, mais peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont aussi découvert. Donc je me suis tout simplement baladé sur le site DestinyDB. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce site, c'est tout simplement la grosse base de données de Destiny. Donc elle regroupe toutes les armures, les armes, les matériaux. Vous allez trouver des spectres, des emblèmes, mais vraiment tout, les missions, etc. Donc qui existent déjà dans Destiny et qui sortiront à l'avenir, donc dans les prochains DLC, voilà. Donc attention, hein, je dis ça, mais il n'y a pas toutes les armes et armures des prochains DLC. La base de données se met à jour régulièrement. Donc tout simplement, je me suis promené sur l'onglet des emblèmes. Donc vous connaissez tous cet emblème, donc Crotaz N, tout le monde le connaît, enfin tout le monde, au moins ceux qui ont réussi à finir le raid de Cropta, je pense pour la plus grosse partie des joueurs, c'est le cas. Donc voilà, vous avez réussi à obtenir cet emblème si vous avez réussi à 20 Cropta. Et bien en me promenant sur le site DestinyDB, j'ai tout simplement trouvé ceci, Anchor's N, donc un nouvel emblème qui n'existe pas encore, et dont le titre se rapproche, mais vraiment, vous pouvez le voir, hein, qui se rapproche de Crotaz N, donc de l'emblème du dernier raid. Voilà, donc je me suis dit que, sans doute, le nom du boss du prochain raid serait Anchor. Anchor, voilà, j'ai un petit peu réfléchi, etc., vous allez tout de suite faire le lien, se rapproche pas mal du nom Axor, qui est le nom du prêtre archonte. Il faut savoir que le prêtre archonte est un déchu, et que dans la maison des loups, on aura affaire à des déchus. Donc voilà, donc dans le premier raid, on avait affaire à des Vex. Dans le second raid, on avait affaire à la ruche. Et dans le prochain raid qui sortira sur le récif, on aura affaire à des déchus. Donc voilà, donc le nom colle plutôt bien avec un déchu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je pense vraiment que ça sera le prochain nom du boss. Enfin, je l'espère vraiment. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous attendez dans le prochain raid, etc. Je vous laisse. Je vous fais vraiment de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt, les gens. Ciao !